is a professor of security engineering at Cambridge University. He is the author of the book Security Engineering. He has done a lot of things already. He has been inventing semi-invasive attacks on based on inducing photocurrents. He has done API attacks. He has entered a lot of stuff. If you read his bio, it feels like he's involved in almost everything related to security. So please give a huge round and a warm welcome to Ross Anderson and his talk. Bienvenue et merci d'écouter la traduction française de cette présentation en direct du 36e Chaos Communication Congrès à Leipzig en Allemagne. Bonjour, je suis content d'être ici aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire qui a commencé il y a quelques années. Et c'est l'histoire de la régulation de la sécurité. En février de cette année, il y a cette montre à destination des enfants qui a été rappelée. Pourquoi ? Parce qu'il se trouvait que les communications avec les serveurs en back-end n'étaient pas sûres. Et les hackers pouvaient suivre les enfants, changer leur identifiant de device et appeler les enfants. Ça ne répondait pas à la directive sur les équipements radio de l'Union européenne. Jusqu'à présent, quand on travaillait sur l'Internet des objets, les entreprises ne savaient pas que si leur matériel n'était pas sûr, ils pouvaient être retirés du marché. En 2015, le département de recherche de l'Union européenne a demandé à son équipe de regarder ce que pouvait signifier la sécurité pour l'Internet des objets. Si vous commencez à avoir des logiciels partout, c'est-à-dire que toutes les agences qui s'occupent de sécurité dans des choses comme l'alimentation ou les automobiles doivent commencer à s'intéresser à la sécurité des logiciels. Un rapport a été produit en 2016 et il est sorti dans une version ultérieure du rapport Weiss en 2017. Et ce rapport disait que si vous avez des logiciels partout, la sécurité et la sûreté deviennent un seul et même problème. Et d'ailleurs, dans la plupart des langages européens, c'est le même mot. Par exemple, en français, sûreté, en espagnol, seguridad. Throughout Brussels and throughout the continent. But anyway, how are we going to update safety regulations? Alors comment on mettra à jour la réglementation sur la sûreté? C'est le problème que l'Union européenne, auquel l'Union européenne a dû faire face. Alors quand on regarde l'économie de la sécurité de l'information, on voit que la complexité, c'est que la plupart du temps, les systèmes échouent parce que les principes de sécurité sont faux. On sait bien aujourd'hui que l'industrie pour la sécurité est meilleure dans certains secteurs comme l'aviation que dans d'autres comme celle de la pharmacie. Quand on pense à l'exemple de la voiture, au début, la sécurité était abominable. Les gens ne s'intéressaient pas, par exemple, à la ceinture de sécurité. Et ce n'est qu'après que les États-Unis, par exemple, ont mis en place un comité sur le sujet, et ce qui a amené le sujet de la sécurité automobile sur le devant de la scène. Dans l'Union européenne, on a une série de réglementations et de règlements avec plus de 20 agences, plus le UNECE, qui s'occupent de ces questions. Mais alors comment comprendre tout cet écosystème ? On a choisi d'étudier un petit peu toutes ces agences selon trois différents paradigmes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait en apprendre. Cars were one of those.
Alors, l'un de ceux-là, ça a été les voitures. Certains d'entre vous se rappellent du rapport Karshark en 2011 pour l'université de San Diego et de Washington, où certains d'accord ont appris comment prendre le contrôle à distance d'une voiture. We'll get it going sooner or later. Anyway, this was largely ignored because. C'était largement ignoré parce que bon, cette petite vidéo n'a pas fait l'actualité, mais en 2016, soudainement, l'industrie a commencé à s'y intéresser. Puisque deux personnes qui avaient été dans la NSC, dans une équipe de hackers de la NSA, ont pu utiliser le logiciel Uconnect de Chrysler pour prendre le contrôle d'une Jeep Cherokee. Ils arrivaient à prendre le contrôle, à faire certaines choses sur un véhicule selon la location, le lieu où ce véhicule était. Ils avaient pour ça simplement besoin de son adresse IP. Ils ont réussi à intéresser des journalistes sur le sujet. Ils ont même réussi à faire sortir un véhicule de la route. Et là, ça fait l'actualité, en particulier aux États-Unis. Et Chrysler a dû rappeler dans cette usine 1,4 million de véhicules pour travailler sur le logiciel. Et ça leur a coûté des milliards de dollars. Tout à coup, c'est devenu un sujet d'actualité. Certains d'entre vous pourraient connaître Chapier. C'est Martin Winsekorn qui conduisait des Volkswagen. Et il se trouve qu'il a hacké un grand nombre de véhicules en insérant un logiciel malveillant. Et il a été mis en procès pour ça. C'est un point important concernant les véhicules et beaucoup de choses dans l'IoT. Et du coup, ce qui est important, c'est que le modèle de menace, il n'est pas seulement externe, il est aussi interne. Et il faut en tenir compte aussi dans la chaîne d'approvisionnement et auprès des. Enfin, et il faut tenir compte des OEM. Maintenant, la médecine. Donc, on peut voir différents équipements. Donc, voilà différentes photos prises dans les unités de soins intensifs. Donc, de la même manière qu'une voiture a plus d'une dizaine d'équipements informatiques à l'intérieur, on peut voir que là, il y en a aussi beaucoup, un peu partout, comme vous pouvez le voir sur l'image. C'est un nombre comparable à celui de processeurs dans une voiture. Et seulement ici, la surveillance et le management de tout ça, c'est fait par les infirmières et pas par des ingénieurs. Ici, on a des images de l'interface utilisateur de pompe à infusion qu'on peut trouver dans des unités de soins intensifs. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes différentes. Donc, c'est un peu comme conduire une voiture dans les années 30. Où on commence à conduire et ensuite on se rend compte que la pédale d'accélération se trouve pas à l'endroit où on l'attendait. Et que une pédale qu'on pensait être celle d'accélération sert à changer de vitesse. Donc, par exemple, en haut là, pour augmenter la dose de morphine, il faut appuyer sur 2. Pour la diminuer, il faut appuyer sur 0. Sur l'appareil Bodyguard 545 en bas, pour augmenter la dose, on appuie sur 5. Pour la diminuer, on appuie sur 0.
Ça entraîne des accidents et un nombre conséquent d'entre eux. Donc vous pourriez vous dire, il faut des standards. Mais on a des standards. Par exemple, pour le symbole litre, il faut utiliser un L majuscule pour qu'il ne soit pas confondu avec un 1. Donc, bodyguard, utilise, marque les mesures en vert. Par contre, on peut voir que si on regarde une ligne différente, la ligne en jaune en haut et millilitre est écrit en minuscule. Et on a différents exemples de ces échecs sur les marchés. Donc les recherches d'un collègue à moi montrent que des échecs dans l'utilisabilité comme ça tuent plusieurs milliers de personnes au Royaume-Uni chaque année, à peu près comme les accidents de la route. Donc, en Grande-Bretagne et en Europe, généralement, les régulations ont tendance à suivre un petit peu celles de la FDA des États-Unis. Mais puisque maintenant la sécurité et la safety vont de pair, ça a tendance à améliorer celle du domaine médical. Donc on peut s'intéresser au cas de Kevin Fu et à sa recherche dans l'Université du Michigan, qui a mené à la panique de la FDA, qui a rappelé un certain modèle de pompe. Mais la FDA, bien sûr, n'a pas pu toutes les rappeler. Donc en 2017, on s'est rendu compte qu'environ 450 000 pacemakers faits par Saint Jude pouvaient être hackés. Ce qui a mené au remplacement de ces modèles pour les patients donc, qui avaient de tels pacemakers. Mais ça a de grosses implications puisque c'est une opération chirurgicale et qu'il faut qu'il y ait un cardiologue prêt en cas d'attaque cardiaque. Et ça a aussi des implications en termes financiers. Alors, que devrait-on faire? Eh bien, les institutions européennes commencent à s'intéresser au problème et à réviser les régulations sur les équipements médicaux. À partir de l'année prochaine, il va falloir qu'il y ait un design plus économique, il va falloir qu'il y ait des études de marché. Et il y a des obligations imposées à ceux qui préparent ces logiciels. Il faut faire des logiciels nomadants avec une sécurité à l'état de l'art et s'en intéresser au cycle de vie de la machine. Au moins, on a commencé à faire quelque chose sur le sujet. Plus loin, la régulation dit aussi qu'il faut faire... Qu'il faut faire attention dans le design du produit à empêcher l'intrusion d'un tiers par le logiciel. La troisième chose qu'on a regardée, c'est le cas de l'énergie. Et il y a déjà eu des interventions dans cette conférence sur ce sujet. Ce qu'on connaît, c'est que le problème, c'est le cycle de vie de sécurité de ces produits qui peuvent durer de longtemps. Et on voit qu'il y a eu des hacks qui ont été faits où il suffisait seulement de connaître l'IP adresse pour arriver à pénétrer dans un produit. Et il y a des compagnies, des entreprises qui ont fait beaucoup d'argent en vendant des logiciels pour se protéger, comme par exemple des pare-feux.
Alors, une manière de faire ça, c'est d'avoir l'équipement qui vous connecte à Internet changeable et de le changer tous les 5 ans, ce qui vous permet un peu de rester à jour. Ça, c'est beaucoup plus dur, évidemment, quand on le fait sur une voiture, où là, il y a au moins 10 interfaces différentes qui sont connectées à Internet dans certains cas. Par exemple, tout ce qui va s'occuper de la température ou de la pression des pneus, etc. C'est en particulier difficile pour l'industrie automobile à cause de la fragmentation de la responsabilité dans la chaîne de fabrication de tous les acteurs qui interviennent dans la fabrication des différentes pièces de la voiture. Alors les questions principales qui émergent de tout ce background, c'est qui est responsable de l'investigation des incidents et à qui doivent-ils reporter ? Qui doit comment faire efficacement un reporting des incidents qui surviennent ? Comment est-ce qu'on fait communiquer les ingénieurs en sécurité et ceux en sûreté ? En particulier quand on sait à quel point le monde de la sûreté peut être fragmenté entre différentes spécialités. Certaines entreprises commencent à y arriver, quand on pense par exemple à l'entreprise Bosch qui a réussi à réunir ses métiers. Mais même ceux qui ont fait ça d'un point de vue organisationnel, comment arriver à faire communier les compétences ? Ce n'est pas évident. Et au niveau de l'Union européenne, est-ce que les régulateurs doivent tous devenir des ingénieurs en sécurité ? La plupart de ces institutions n'ont même pas un ingénieur parmi leur staff. C'est surtout des gens qui travaillent dans la politique ou des juristes. Et bien sûr, au Congrès, ici, je suis obligé de demander comment est-ce qu'on fait pour empêcher les cas de monopole ou de lock-in abusif. On ne veut pas le genre de choses qu'on a vu aux États-Unis en la matière. En partant de ça, on est arrivé à un certain nombre de recommandations. Au début, on a pensé à demander aux vendeurs d'un mécanisme de self-certification, d'auto-certification, mais ce n'est pas vraiment possible. Et donc, on a voulu passer un texte au Parlement européen. Il y a eu beaucoup de lobbying contre. Donc, je reviendrai bientôt sur ce qui a réussi à passer. On a voulu créer une agence européenne de l'ingénierie de la sécurité. Il y a un an et demi, la création de ça, c'était la création d'un bureau ENISA à Bruxelles, avec des gens un peu techniques qui peuvent aider les gens qui préparent le côté politique. On va aussi étendre la directive sur la responsabilité en termes de production pour être sûr que les gens qui sont responsables des erreurs faites par un logiciel, par exemple Google Maps, ne sont pas forcément les gens qui utilisent le logiciel directement. Et enfin, il va falloir mettre à jour la directive NIS, et en particulier voir comment on peut impliquer les régulateurs de la sécurité et de la sûreté. Par exemple, une fois que toutes les voitures seront plus ou moins connectées, une fois qu'il y aura des gigabits de données qui sont transmis, quand il y a un accident de voiture, où vont les données ? Est-ce qu'ils vont à la police ? Est-ce qu'ils vont au régulateur ? Est-ce qu'ils vont à celui qui a construit la voiture ? Comment est-ce qu'on design un tel système qui va amener la bonne donnée au bon endroit tout en respectant la vie privée des individus et d'autres obligations légales ? C'est un projet de grande ampleur. Et on ne sait pas encore exactement comment ça va être fait, mais à l'heure actuelle, si vous avez un accident avec une Tesla, eh bien, si on veut les données, on est obligé de poursuivre Tesla
en justice. On a besoin d'un meilleur régime juridique pour ça. C'est à nous de trouver un moyen de créer un système plus efficace de ce point de vue-là, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Si vous voulez un système sûr, un système qui dure, il va falloir y réfléchir longuement. Mais il y a quelque chose qui nous a un peu coincé dans ce travail. Donc, après qu'on ait discuté de ça avec des dizaines de personnes impliquées dans la sécurité, donc on discutait avec ces gens et on s'est demandé qu'est-ce qu'on a vraiment appris de tout cet exercice à propos de certification et de centralisation. Donc en particulier ceci. Il y a actuellement deux types de choses qu'on sait faire de manière sécurisée. Les téléphones et par exemple, enfin, ce qui est comme les téléphones et les ordinateurs portables, qui sont sécurisés parce qu'on corrige les problèmes de sécurité et de sûreté régulièrement, mais du coup ils deviennent obsolètes assez rapidement. Et ensuite, on a des objets tels que les voitures et les appareils médicaux qu'on teste de manière extensive avant qu'ils soient rendus disponibles publiquement, mais on ne les connecte pas à Internet et ils sont peu patchés. Donc, qu'est-ce qui va se passer en termes de coûts pour la maintenance maintenant qu'on va commencer à patcher les voitures également? Et on va devoir faire ça. Et puisqu'on commence à connecter les voitures à Internet, et c'est quelque chose qu'on ignorait avant, mais c'est quelque chose qu'on va devoir corriger. Donc s'il faut commencer à envoyer les voitures au garage pour les mettre à jour et les patcher, ça va coûter beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce que ça va impliquer? Donc c'est ce qu'on appelle notre trilemme. Si on a un cycle de vie standard pour la sûreté, sans patching, on obtient la sûreté et la durabilité. Mais sur un cycle de vie en termes de sécurité standard, on a du patching, mais ça casse la certification en termes de sûreté. Si on a du patching et de la recertification en termes de sûreté avec les méthodes courantes, on obtient des coûts en termes de maintien de la sûreté qui deviennent très hauts. Donc comment est-ce qu'on obtient la sûreté, la sécurité et la durabilité? Ça nous amène à quelque chose d'autre que beaucoup de gens ici, enfin, à laquelle beaucoup de gens ici sont intéressés. Donc ici, l'image, c'est la Centennial Light, la lumière centenaire. Elle est éclairée depuis 1901. Donc, en 1924, les trois entreprises majeures du domaine, General Electric, Osram et Philips, se sont mises d'accord pour réduire la durée de vie des ampoules afin d'en vendre plus. Donc, c'est quelque chose qui a tendance à se passer avec des objets connectés. Et qu'on rencontre aujourd'hui où les entreprises essaient de rendre ça difficile, voire illégal, de corriger et d'améliorer, de fixer des produits. Maintenant, vous pourriez penser que c'est une chose à laquelle les politiciens ne vont pas s'intéresser, mais une chose à laquelle vous devriez vraiment vous intéresser, c'est les cycles de vie des produits. L'âge moyen d'une voiture qui est considérée inutilisable au Royaume-Uni, c'est 14,8 ans. Donc, maintenant, on a tous ces logiciels formidables qui permettent aux voitures de se conduire seules. Donc, et les constructeurs voudraient qu'au bout de 6 ans,
On envoie nos voitures à la casse et qu'on en achète une nouvelle. Donc on voudrait en gros vendre un bail de 6 ans pour une voiture. Et si un client n'est pas prêt et n'a pas assez d'argent pour faire ça, il devrait réutiliser une voiture de seconde main. Donc c'est la façon de penser des fabricants de véhicules. Mais maintenant, il faut considérer que le coût en termes de CO2 d'une voiture dépasse la quantité de carburant qu'elle utilise sur sa durée de vie. Ça nous amène à la conclusion que si on a un cycle de vie de 6 ans, alors on réduit drastiquement le kilométrage final du véhicule. Il y a également d'autres conséquences. Dans le cas de l'Afrique, par exemple, où la plupart des véhicules sont d'occasion. Donc, par exemple, si on considère Nairobi, les voitures arrivent, elles ont déjà 10 ans, elles sont utilisées pendant 10 ans et après elles sont envoyées dans d'autres pays encore, jusqu'au point où elles ne sont plus utilisables. Il y a aussi des questions de sûreté. Je ne sais pas ce que sont les règles en Allemagne, mais en Royaume-Uni, moi, je dois amener ma voiture se faire vérifier en termes de sûreté après un certain âge, pratiquement tous les ans. Mais une fois que les mises à jour de logiciels ne seront plus disponibles, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus exporter cette voiture en Afrique ? Je ne pouvais pas résister à la tentation de mettre un petit dessin. Mon moteur fait un drôle de bruit, est-ce que vous pouvez regarder ? Oui, juste ouvrez le coffre. Ah, je ne peux plus ouvrir le coffre, c'est cassé. Alors mettez juste la voiture dans le grand trou et on va aller en chercher une nouvelle. Voilà ce qui se passerait si on traitait les voitures comme on traite nos produits électroniques. Qu'est-ce qu'il est raisonnable d'espérer en termes de durée de vie d'un objet ? Alors pour une voiture, c'est peut-être 18 ans, on va dire 10 ans après la vente du dernier produit dans une gamme de produits. Or pour les instruments médicaux, on peut dire à peu près 20 ans. Pour les appareils domestiques, 10 ans, peut-être même 15. Donc, du point de vue de l'ingénieur, la question c'est comment est-ce qu'on peut faire que le logiciel va être mis à jour pendant 20 ans. Si vous écrivez des logiciels maintenant pour un véhicule qui va rentrer, qui va être mis en vente dans 20 ans, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme mesure de sécurité et comment est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir le mettre à jour dans 10 ou dans 15 ans. C'est tout l'écosystème qui est remis en question par cette question, en réalité. Alors, qu'a fait l'Union européenne ? Je suis content de vous dire que, à la troisième tentative, l'Union européenne a réussi à passer une loi là-dessus. C'est la directive sur les produits connectés. Elle dit que ceux qui achètent tels produits ont droit à des mises à jour pendant au moins 2 ans ou plus si c'est dans les attentes raisonnables du consommateur. On espère que, on pense que ça veut dire au moins 10 ans pour tout ce qui est four, véhicule, frigo, etc. Et c'est le vendeur qui a l'obligation de preuve dans les 2 premières années. Donc on a un cadre légal pour ça, et donc ça a créé une demande pour les patchs. Et maintenant, la responsabilité, elle repose sur nous. Si les gens qui travaillent aujourd'hui travaillent toujours en 2039, les objets qui fonctionneront toujours en 2039,
alors il va falloir apprendre à prendre en compte cette complexité. Alors, ma question pour vous aujourd'hui, c'est de quoi allons-nous avoir besoin pour faire en sorte, une fois qu'on aura des logiciels partout, qu'on peut garder ces logiciels à jour durablement. Donc il y a des sujets de recherche là, du comment faire pour pouvoir patcher 20 ans plus tard des objets. Quand on regarde l'exemple de la crypto, on voit à quel point ça peut être compliqué. Les voitures nous montrent que c'est difficile de maintenir cette durée de vie au plus vous multipliez les environnements de test. Les systèmes de contrôle nous apprennent aussi que parfois il faut faire des petits changements pour limiter ce qu'on doit avoir à patcher. Et quand on regarde le cas d'Android, on se demande la question comment est-ce qu'on fait pour motiver les fabricants à continuer à mettre à jour des produits plusieurs années plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux d'entre nous qui enseignent à l'université ou qui font des recherches à l'université? Alors aujourd'hui, j'enseigne la sécurité et la sûreté dans le même cours à l'université. Il faut penser tout ça en des termes plus unifiés pour travailler ensemble. En termes de recherche, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les outils de fabrication plus durables? Par exemple, si vous mettez à jour des outils de crypto, on va dire que de temps en temps, le compiler se met, est amélioré et permet de faire des récursions plus intelligentes et de se débarrasser de certaines choses qui sont plus utiles. Et c'est-à-dire que tout à coup, d'une année à l'autre, votre crypto a une espèce de trou en termes de sécurité si vous essayez de mettre à jour des choses plus anciennes. Alors, une des choses auxquelles on a pensé, c'est qu'il faut que les programmeurs puissent plus communiquer entre eux sur ce sujet. Laurent Simon, David Chispanol et moi-même avons travaillé sur ce sujet. Et voilà, c'est ce qu'on a publié dans un article de recherche il y a un an et demi. À l'échelle macro, qu'est-ce que ça veut dire? Il va falloir faire beaucoup plus en termes de durée de vie. On voit par exemple avec l'IA de 737 Max pour le Boeing. Mais en somme, l'industrie aéronautique a quand même une assez bonne longueur d'avance sur le sujet, qu'on n'a pas sur d'autres domaines, en particulier quand on pense au domaine automobile. Quel pourrait être notre guide pour tout ça? Ce serait l'économie de la sécurité. On sait par l'économie de la sécurité, depuis près de 20 ans, c'est que ces problèmes sociotechniques complexes sont souvent non résolus parce qu'il n'y a pas assez de raisons pour les acteurs d'essayer de les résoudre. Si c'est Alice qui garde un système, par exemple, et que c'est Bob qui en paie les coûts en cas d'échec, alors là, vous savez que vous allez avoir un problème. Le même genre de problème s'applique à la sûreté. Et au plus sûreté et sécurité sont liés, au plus ces problèmes vont être importants. Et donc on a besoin de recherche et d'études sur ce domaine. Donc, nos papiers Making Security Sustainable, rendre la sécurité durable, Standardizations and Certifications in the IoT, standardisation et certification dans l'IoT, ainsi que d'autres papiers sont sur ma page dont le lien est affiché. Donc c'est le premier endroit où vous pouvez aller pour vous renseigner davantage à ce sujet. Il y a aussi notre blog. Et on discute également de tout ça. On discutera de tout ça lors du workshop sur l'économie de la sécurité de l'information à Bruxelles qui aura lieu en juin 2020. Donc peut-être qu'on verra certains d'entre vous là-bas en juin. Donc voilà quelques livres sur l'ingénierie de la sécurité. Merci beaucoup Ross Anderson pour cette présentation.
We will start the Q&A session a little bit differently than you're used to. Was has a question to you. Donc on va commencer cette question de question-réponse un peu différemment que de d'habitude. Donc Ross a une question pour vous. Donc vous allez décider de la couverture du prochain livre de Ross. Donc d'abord vous allez voir les deux couvertures candidates, donc la première et la deuxième. Donc qui préfère la première couverture parmi vous? Come on. And the second choice? Et la deuxième? Ok, je pense que le public préfère clairement la deuxième. Et on attend avec impatience de voir cette deuxième couverture. Oui. N'hésitez pas à aller vous rapprocher des micros pour poser vos questions. La première question nous vient de l'Internet. Y a-t-il des raisons pour lesquelles vous n'avez pas parlé de l'industrie aéronautique dans votre recherche? Oui, on nous a demandé d'étudier trois domaines. Et les trois domaines où on a travaillé, c'est ceux sur lesquels il y avait eu des cas intéressants récents. Bonjour, merci pour cette présentation. Donc, à votre avis, où va se trouver l'équilibre entre la vie privée, la volonté des fabricants de montrer que ce n'était pas leur faute et le droit à la réparation? Donc la réponse, c'est une question très, très complexe et on a essayé d'y répondre pendant... Enfin, ça fait des années qu'on essaie d'y répondre. Donc, mais... il faut qu'on essaie d'envoyer les données nécessaires aux politiques. Désolé, là, j'ai pas compris la réponse. Can you switch on the microphone, number four? Micro numéro 4, s'il vous plaît. Merci pour cette présentation. En tant qu'ingénieur en software, je peux faire beaucoup plus de mal qu'un simple médecin en termes d'utilisation des logiciels. Alors pourquoi n'a-t-il aucune conversation autour de la responsabilité des assurances des professionnels? Encore une question complexe. Alors c'est vrai que dans des pays comme le Canada, il y a des statuts particuliers pour les médecins sur ce sujet. C'est une question, je pense, assez culturelle aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Si on avait que des gens qui faisaient que de l'ingénierie logicielle, on ne serait pas tous là aujourd'hui. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait plusieurs profils. Donc, ma question concerne également l'aviation, parce que tel que je comprends ça, beaucoup d'équipements vieillissants sont envoyés dans les pays en voie de développement. Et du coup, comment voit-on? Ok, je suis un journaliste d'origine pakistanaise et ce sujet m'intéresse parce que beaucoup d'équipements sont envoyés au Pakistan après leur première utilisation et du coup cette question m'intéresse. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Donc, il y a différentes choses qu'on peut dire à ce sujet. Donc, les bonnes choses n'ont pas forcément besoin d'impliquer les technologies de l'information. Donc, par exemple, on a pu voir le développement de pompes à perfusion
à destination des pays en voie de développement. Donc avec une conception qui va permettre une utilisation dans des pays tels que le Pakistan ou des pays africains. Donc les pays qui ont accès à la technologie n'ont pas besoin d'être forcément les pays les plus riches. Et on peut avoir de tels équipements dans des pays où les voitures intelligentes ne sont pas forcément une priorité. Une autre question de l'Internet. Pourquoi forcer la mise à jour par la loi? Eh bien, la politique, c'est l'art du possible. Et réalistiquement, on ne peut parler que d'un certain nombre de choses dans une certaine culture politique à un certain moment, ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. Alors, si on disait simplement qu'il faut interdire de connecter, par exemple, des voitures à l'Internet, ça, c'est pas quelque chose que la population ou l'industrie est prête à entendre. C'est plus raisonnable de dire qu'une fois qu'un produit atteint un certain degré de danger, alors il faut mettre des régulations pour par exemple, ne pas importer ce produit. C'est quelque chose que, éthiquement, les gens sont plus prêts à entendre. C'est ce qu'on voit, par exemple, avec le cas des émissions de carbone pour les automobiles et ce que l'Union européenne a fait à ce sujet, en particulier vis-à-vis des automobiles qui venaient de Chine. Micro 4, s'il vous plaît. Bonjour, je suis un analyste en sécurité dans l'automobile. Connaissez-vous le standard qui arrive l'année prochaine à ce sujet? Donc, c'est pas quelque chose sur quoi j'ai travaillé en détail. Donc, beaucoup de choses dont vous avez parlé sont actuellement sous le coup de travaux. Un cycle de vie d'environ 30 ans pour un véhicule est quelque chose qui est considéré. Personne ne voit un futur avec un cycle de vie à 6 ans. On pourrait parler, évidemment, il y a des choses comme l'obsolescence programmée, mais un cycle de vie aussi court, ce n'est pas quelque chose dont on discute. Donc, j'ai assisté à différentes conférences concernant notamment des produits automobiles et je peux vous assurer que c'est quelque chose dont on a entendu parler. C'est tout le temps qui nous était imparti. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Europe. Et merci.